Salut matelot, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Aujourd'hui, on va découvrir une bière belge, une triple blonde, la Ginette. Donc, elle est à 9% en alcool en 33 centilitres. Alors, la couleur est un blond assez pâle, je dois dire, assez léger, avec pas mal d'effervescence et une belle petite mousse. Au nez, elle a un côté très un peu foin, comme ça, foin céréal. Un style un peu ferme. Ouais, c'est vraiment ça qui ressort, avec une très légère note florale. Donc là, au nez, c'est pas mes saveurs préférées. Je mettrai un petit 7, voire même 6,5. On va voir à la première gorgée. Par contre, première gorgée, on a vraiment avec la mousse, quelque chose de très onctueux. Très plaisant au palais, très rond. On a une très légère amertume qui reste assez bien en bouche, avec ce côté à la fin céréal. Limite un petit peu biscuité. Une petite note d'alcool. Donc les 9% ressortent pas trop. Étonnamment. C'est assez bien équilibré. Ouais, en bouche, moi, elle me plaît bien. Elle n'a pas des saveurs non plus trop marquées. Donc c'est assez bien équilibré. Pas mal. Je lui mettrai un petit 8. Parce que je vous avoue, après les bières trop fortes, le souci c'est qu'on ne peut pas en boire plusieurs. Enfin si on peut, mais il y a les conséquences qui vont avec. Donc voilà, mais sinon un beau petit produit. Donc je remonte l'étiquette. C'est la Ginette triple blonde. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? Apparemment c'est une bière biologique contre les certicis en Belgique. Bio. Donc voilà. Et où est-ce qu'elle est faite? On n'a pas plus d'infos. Ah si, à Loupoigne. Ah bah ouais, c'est dans le Brabant wallon, près de Genappe, je pense. Rue de Fontaine-l'Évêque à Loupoigne. Et c'est la brasserie La Binchoise à Binche. Et apparemment, elle est brassée, mise en bouteille à Loupoigne. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à me dire ce que vous pensez de cette bière si vous l'avez déjà goûtée. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, à plus.